Désolé. En 1981, Nintendo entra pour de bon dans l'anthologie du jeu vidéo avec Donkey Kong. Le truc marrant, c'est que la star semblait plus être le gros macaque en haut de l'écran que l'espèce de petit ouvrier portugais en bas. La suite laissa plus de chance à l'ouvrier portugais et progressivement, le singe tomba dans la déchéance, devant se résoudre à participer à des courses ultra violentes ou à des affrontements sans pitié pour pouvoir arrondir ses fins de mois, preuve que la crise peut vraiment toucher tout le monde. Il essaya bien de se venger de ce salopard d'ouvrier portugais en kidnappant sa nana une nouvelle fois en 1994, mais il se reprit une grosse branlée rappelant une bonne fois pour toutes que l'espèce pensante, c'est celle qui dégomme tout à coups de marteau. Et puis, calme plat jusqu'en 2004. Alors qu'il est en train de se palucher devant la téloche, le babouin voit que son ennemi juré a décidé de se lancer dans le capitalisme de bas étage en se clonant à l'infini afin d'être sûr de remporter à chaque fois le titre de l'employé du mois. Voulant mettre fin à ses agissements diaboliques, il se met en tête de kidnapper tous les clones, de stopper le virus du sida, de résoudre l'énigme de la suite de Syracuse et de prouver une bonne fois pour toutes que Street Fighter EX plus Alpha est bel et bien un jeu con et raté. Et forcément, Mario, ne voulant pas se faire mettre minable par un enfoiré de rang-outan, décide de partir récupérer son armée. Là où le chimpanzé arrivera à passer son problème, Mario devra aller récupérer des clés, sauter sur des plateformes qui disparaissent, éviter de la lave et slalomer entre les merdes de pigeons. Ouais, parce que les merdes de pigeons sont fatales dans ce jeu. Mamma mia. Nintendo revient avec Mario vs Donkey Kong à ses premiers amours. Si les tableaux s'étendent néanmoins sur plusieurs écrans, on sent bien la nostalgie qui a frappé les développeurs. Chaque niveau se présente sous la forme d'un petit parcours mêlant habilement plateforme et casse-tête. Les amoureux du genre apprécieront sans problème toutes les petites subtilités de l'architecture de chaque monde. Il y a même plusieurs passages qui rappelleront l'excellent Zelda de la Super Nintendo, avec les interrupteurs de couleurs à activer dans le bon ordre afin de poursuivre sa progression. Pour parvenir à ses fins, Mario dispose de la plupart des capacités qu'il a pu apprendre au fil des années. Comme dans Super Mario Bros, il peut sauter de partout. Comme dans Super Mario Bros 2, il peut soulever ses ennemis et s'en servir de projectiles ou comme moyen de locomotion. Et comme dans les épisodes en 3D, il peut faire un backflip. En plus de ça, il pourra même se déplacer sur les mains, se suspendre à un filin ou carrément copier son illustre ancêtre en grimpant aux lianes. Au terme de chaque monde, vous devrez conduire votre petite armée jusqu'à un gros coffre à jouets pour après pouvoir montrer à l'horrible lémurien que franchement, ils se sont mal démerdés face à King Kong. Que l'on soit un novice dans le monde des jeux de plateforme ou un expert, il y aura moyen de trouver son compte. Les jeunes joueurs ne seront que rarement bloqués. Des tas de petits tutoriaux sont là pour vous familiariser avec les compétences de Mario et la jouabilité est au top. Pour les pros de la manette, le jeu sera très vite bouclé, mais il y aura après la possibilité de partir à la recherche de tous les objets disséminés dans les niveaux du jeu. Là, ça devient tout de suite plus chaud et la durée de vie grimpe soudainement en flèche. Une fois l'aventure terminée, vous débloquerez d'autres modes de jeu, mais la difficulté sera pour le coup vraiment au rendez-vous. Et puis après, il y a toujours la chasse au meilleur chrono sur chaque tableau. De quoi bien occuper quelques soirées. Même s'il n'y a pas non plus de quoi grimper au rideau, le jeu est très bien fichu. Les thèmes musicaux sont agréables, les voix sont dynamiques et plutôt marrantes, et l'animation de Mario est bluffante. Les niveaux sont aussi graphiquement réussis, et on prendra plaisir à noter toutes les petites références aux autres jeux dans lesquels Mario a pu évoluer. Dans Mario vs Donkey Kong, les Maskas, ils ont des lance-flammes. Ça, c'est la classe. Lors de la première annonce du jeu en 2002, une allusion avait été faite à cette option plus que prometteuse. Elle sera malheureusement retirée de ce jeu, mais elle apparaîtra dans la suite. C'est quand même dommage parce qu'on sent clairement qu'il y avait là une idée en or pour faire de cette cartouche une inépuisable source de création. Bon, le pigeon qui chie du feu, ça par contre, c'est un peu en trop. Mais si Mario rétame la gueule de Donkey Kong, il pourra pas stopper le virus du sida. Bon, on espère quand même qu'il aura le temps de dire que Street Fighter EX plus Alpha, c'est gravement la honte sur la face de Capcom. En
En retournant vers un concept tout simple, Nintendo a réussi à développer une nouvelle fois un jeu ingénieux et captivant. Mario vs Donkey Kong tient encore la route de façon admirable, et si la DS dispose d'un port cartouche pour accueillir les jeux Game Boy Advance, ce n'est pas pour rien. Ce qui fait encore plus plaisir, c'est quand on sait que suite au succès de ce jeu, Nintendo a décidé de lancer une série en parallèle avec deux autres épisodes et qu'on reste à chaque fois dans une ambiance soignée et nostalgique. Tous les joueurs qui aiment les puzzles, la plateforme et la réflexion trouveront leur compte avec ce jeu. Ce n'est pas un vrai Mario, c'est un Mario vs Donkey Kong. Et c'est tout aussi bien. Vraiment.